au fil des années, on organisait des parties comme entre amis. Bah, des fois, tu sais, le temps des fêtes, les gens n'ont pas le temps d'aller voir leur famille. Saint-Valentin, les gens tout seuls, whatever. Fait que c'est grâce à ça. Puis au fil du temps, les amis trouvaient que nos parties étaient comme élaborées, puis cool. Fait qu'ils ont mis l'idée que oh, vous devriez faire un business par rapport à ça. Fait que nous, on s'est dit, au début, on était comme peut-être pas, on n'était pas trop sûr, mais un jour, on a décidé de se lancer. Puis c'est comme ça qu'on a abouti à ça. Là, on s'est inspiré de différentes affaires, mais ça aboutit à tout ce que vous voyez ici. En trois mots, ce serait nourriture, parce que c'est assez évident, boisson, puis aussi l'aspect de vacances. C'est parce que quand les gens viennent ici, on veut vraiment qu'ils viennent, ils s'assoient, ils relaxent, comme si tu étais en vacances et tout, là, juste pour décomposer, parce que centre-ville, justement, c'est actif, les gens travaillent et tout, fait que quand ils viennent, on veut qu'ils se sentent genre, comme très à l'aise. Le fait qu'on est proche de tout, on est proche, admettons, des différents parcs, comme le parc Mont-Royal, des genres de choses. Puis aussi, l'un des aspects qu'on aime le plus, c'est les festivités. Il y a des festivités comme le festival de jazz, Juste pour rire, aussi des différents festivals de mode, etc. Fait que je dirais que pour nous, c'est ce qu'on aime le plus sur Entreville quand on vient ici, en fait. Ah, de ville, restaurant de ville, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait. Oui. Qu'on a eu notre premier rendez-vous, en fait, ouais. Le petit, il a voulu participer. Il a participé tout le long, moi je l'écoutais pas, je parlais en fait. Ouais.